êtes sûr que c'est ça l'interview? On est une équipe compétitrice. Quel que soit le jeu, on a envie de le gagner. Et on est une équipe qui ne lâche rien. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, peu importe le résultat, on donnera tout jusqu'à la fin. Des compétitrices. On aime bien gagner. On haït la défaite. Et voilà, on aimerait remporter notre premier titre ensemble cette année. Ambiance. Bonne ambiance. Technique. Et victoire, je l'espère. La générosité, personne simple, travail de l'ombre. Fausse timide, paraît peut-être timide, mais en vrai, quand on me connaît bien, je suis pas timide. J'aime beaucoup la musique, j'en écoute tout le temps. Ça m'aide aussi à me concentrer avant les matchs. Et j'aime bien un peu taquiner les autres et voilà, faire de petites blagues. Ça en fait rire certaines, je crois. Marie-Antoinette Katoto. Marie Katoto. Marie-Antoinette Katoto. Très bonne saison avec le Paris Saint-Germain. J'espère qu'elle va nous aider à gagner les matchs en inscrivant le maximum de buts possible. Il va être très attendu, je pense, dans cette Euro. Delphine Cascarino aussi. J'aime bien sa patte folle. Khadija Toudjani aussi. Très bonne saison aussi avec le Paris Saint-Germain. Et depuis plusieurs années, c'est une des attaquantes les plus redoutables. Grâce Gueyoro. J'ai dit que des Parisiennes. Alors, premier euro pour moi, mais surtout, c'est la compétition qui suit la Coupe du Monde. Donc on a envie de faire autre chose de ce qu'on a fait à la Coupe du Monde. Et puis, on va pas se mentir, c'est en Angleterre et c'est un beau pays du football, donc ça serait beau de gagner ici. Ça fait quelques semaines qu'on est en préparation et on a hâte de commencer la compétition. On fait des sacrifices et des efforts au quotidien pour arriver à ce genre de compétition et vivre des moments excitants. Le Graal, c'est les compétitions internationales, donc le championnat d'Europe en fait partie.